Il est enfin là. Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau PC portable, le HP Omen 17. Donc au niveau de la boîte, y a rien de spécial en fait, juste le dessin de... Enfin le dessin, la photo de l'ordi et tout simplement, voilà. Rien de plus. Et ben, vous savez quoi, on va l'ouvrir tout de suite. Oui, c'est vrai. Hop là. Oula. J'ai failli le faire tomber. Moi, je vais faire des conneries encore. Alors, pour commencer, on a le plastique. Ouais. Hop. On a commencé. On a le Omen, le papier. Alors, je sais pas si vous le verrez bien. Alors, il y a les caractéristiques dedans. On nous apprend à brancher quand même l'ordinateur. Ce qui est assez bizarre. Alors ensuite, on a le putain de PC portable. Hop là. Pfff. Putain, il pèse une tonne. Pfff. Allez, donc. Hop là, voilà. Il ressemble à ça. Plutôt design. Il y a écrit un truc ici. Omen Designed. Oh, bah c'est bien, c'est pas mal. Alors franchement, là nous avons les aérations. Là on a, à mon avis, les haut-parleurs. Et bah écoutez, on va tout de suite le tester. C'est parti. En plus c'est cool, il nous offre une petite sacoche Omen, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux que ça intéresse. Bon après c'est pas une sacoche de très très bonne qualité, mais franchement ça fait le taf et ça peut protéger un minimum des rayures en tout cas votre ordinateur et ça c'est plutôt pratique et c'est cool. Hop. Ça on s'en branle, voilà. Le câble d'alimentation juste ici et nous avons ensuite, voilà, donc on a la batterie juste ici et en gros voilà. J'ai une question, est-ce que ça se démonte? Je vais éviter de péter le truc pour commencer en fait. Oh mais c'est sympa ça, ils nous offrent des stickers Omen, ça si c'est pas cool. Ça c'est pour ceux qui aiment bien découvrir leur truc. Bon moi j'aime pas trop donc je m'en fous un petit peu. Et du coup la boîte, on s'en fout aussi. Ouh. Effectivement il est un peu lourd. Je sais pas combien il doit faire d'épaisseur. Je sais pas, un mètre par là. Ça sera suffisant, je pense. Ouais, il fait 3 cm d'épaisseur environ. Enfin, d'après mes calculs, alors n'ayez pas trop confiance. Ça se trouve, c'est marqué sur le papier, j'ai même pas lu. Donc, le PC se présente normalement comme ça. Waouh, c'est beautiful. Je m'en branle aussi. Bon, bah, maintenant qu'il est déballé, je vais le tester. Je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Donc ce PC contient un Intel Core i7 8750H CoFi-Lake cadencé à 2,2 GHz. En mémoire vive installée, nous avons une barrette de 8 Go de RAM en DDR4, ce qui est plutôt pas mal et qui va permettre de faire beaucoup de choses, c'est mieux que 4 dans tous les cas. De toute façon, 8 c'est le minimum qu'il faut avoir sur un PC. En espace de stockage, nous avons un SSD M2 NVMe, donc un SSD qui est très très rapide et qui est très réactif, qui peut être plutôt pratique. C'est vrai. Et nous avons un autre disque dur de 1 Tera, lui par contre à 7200 tours par minute, ce qui est un HDD plutôt pas mal. La carte graphique quant à elle c'est une GTX 1066Go GDDR5. Le système audio, on peut retrouver la marque Bang & Olufsen. Imprononçable cette marque. Il dispose aussi de 3 USB 3.1 plus 1 USB 3.1 type C. L'autonomie qui est annoncée pour la batterie, quant à elle, est de 5 heures, donc c'est pas terrible, mais c'est suffisant. Puis de toute façon, c'est un PC qui est censé être pour jouer, donc normalement, c'est un PC que vous êtes censé transporter avec une prise à côté. Quant au poids, lui, par contre, fait 3,8 kg. Alors, c'est vrai que sur le papier, ça peut paraître lourd, mais je vous assure que ça fait 5 jours que je l'ai et il est... Franchement, ça se ressent pas et il est pas très très lourd, donc ça va.
Et on se retrouve 5 jours après l'avoir essayé, j'ai installé plein de jeux, je les ai testés, et du coup on va voir ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir sur Apex, les graphismes en élevé, le jeu tourne environ à 70 voire 75 FPS, ça peut descendre à 60 voire à 55 minimum je suis allé, mais en tout cas c'est très fluide. C'est vrai que vu que cet ordinateur a un écran 120 Hz, faudrait tourner à 120 FPS, là nous sommes seulement à 70-80, mais de toute façon, sur Apex, on joue qu'au graphisme bas. Et en graphisme bas, nous retrouvons avec environ 110 voire 120 FPS qui sont pas très constants. Le minimum que je suis allé, c'est 95, mais le plus, c'était environ 140 voire 150. Mais franchement, c'est bien. Et c'est souvent à 120 FPS constant. Et du coup, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a un écran 120 Hz, du coup, c'est très très bien. Ensuite sur Fortnite, j'ai testé en Epic, le jeu tourne environ à 70 FPS, voilà, pas plus, mais en tout cas, c'est très fluide, c'est beau, mais ça ne convient pas pour un écran 120 Hz, encore une fois. Quant à lui, le jeu en élevé, lui, tourne environ à 90, voire 100 FPS, ce qui est plutôt très bien, mais encore une fois, nous n'avons pas les 120 FPS. Le jeu en moyen, quant à lui, par contre, dépasse largement les 120 FPS, arrive jusqu'aux 150, voire 140. Et moi je joue comme ça et c'est très très bien. Il peut avoir des baisses de frame, mais encore ça peut aller. Et en bas, tout en bas, bien sûr avec la résolution, j'ai mis les presets directement intégrés au jeu. Là c'est bon, le jeu tourne tranquillement à environ à 200 FPS, ce qui est plutôt très très bien. Et ensuite mes graphismes personnalisés dans lesquels je joue moi, que j'ai optimisé un peu le jeu pour jouer avec des graphismes assez beaux. Le jeu tourne constamment à 120 FPS, ça c'est sûr, et au-dessus en tout cas. Il tourne constamment au-dessus des 120 FPS, ce qui est plutôt très très bien, et ce qui est convenable pour un écran 120 Hz. Ensuite sur Overwatch, j'ai mis les graphismes en Epic pour voir ce que ça donnait. Et nous tournons, alors j'étais assez surpris, mais nous tournons à 100 FPS, 90, mais c'est souvent la plupart 100 FPS, et c'est très très bien, même si encore une fois, nous n'étions pas les 120 Hz. Je vais être chiant avec ça, je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est pas grave. Et le jeu en bas, par contre, lui, s'en bat les couilles, genre vraiment, il tourne à 260 FPS, donc franchement, si vous voulez avoir des performances très très élevées, allez en bas. Ensuite mes graphismes personnalisés encore une fois, j'ai juste mis en moyen, j'ai juste mis le filtrage en x16 et le SMAA en élevé, et qui est très très bien, du coup ça fait un beau jeu avec une fluidité qui est plutôt bien, voilà. Donc pour l'écran de cet ordinateur, c'est un écran très très bon, c'est pour ça que je l'ai pris et que j'avais hésité avec un MSI, mais c'est pour ça que j'ai pris cet écran, car cet écran en fait c'est un écran 17 pouces pour commencer, 17,3 pour être plus précis, mais surtout parce que c'est un écran IPS et G-Sync qui est la technologie d'NVIDIA pour éviter les déchirures d'image, et surtout son écran 120 Hz qui est cadencé à 120 Hz, la plupart des écrans sur vos ordi portables sont cadencés à 60 Hz, donc si vous tournez un jeu à 60 FPS, pas de souci. Par contre si vous avez un écran 120 Hz et que vous avez un PC et un jeu qui tourne à 60 FPS, là vous allez avoir la différence. Si vous tournez un jeu en 120 FPS et que vous avez un écran 120 Hz, ça va être largement plus fluide qu'un jeu en 60 avec un écran 60. Voilà. En tout cas, au niveau bruit de ce PC, j'ai remarqué juste un petit défaut, c'est surtout qu'il fait un peu de bruit quand il est sur le bureau, quand on fait rien, quand on installe un truc, il fait un peu de bruit pour rien, je trouve. De toute façon, comme tout PC portable, il fait du bruit, ça c'est sûr. C'est pas très dérangeant. En tout cas pour moi, c'est pas un critère que je s'en bats les couilles. En tout cas, voilà, c'est ici que s'achève cette fin de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bye tout le monde à la prochaine. Ciao.